J'ai souvent engagé Bad Boy et il a toujours protégé son identité. C'est comme ça chez DedSec. Et maintenant, il veut qu'on se voit. C'est pas normal. Je dois le déstabiliser, le faire parler. Et savoir ce qu'il prépare. Bad Boy. Hein? Bad Boy, 17. Putain, c'est quoi ton problème? Bad Boy 17. Clara. Clara. Tu fais plus que 17 ans. Et je fais Bad Boy aussi. T'as surtout l'air imprévisible. J'espère que ça te fait pas trop peur. Pourquoi? J'ai des raisons d'avoir peur. Là, tu deviens parano. Vraiment? Quelqu'un s'amuse avec ma vie. Menace ma famille, et au même moment, ce mystérieux Bad Boy veut me rencontrer. Et le boy est une fille. Y a de quoi être parano. Écoute, j'ai besoin de te faire confiance, Clara. À ta place, je me ferai pas confiance non plus. Mais voilà une bonne raison de m'écouter. Le texto que tu m'as envoyé. Je sais où retrouver ce type. Ok, mais c'était pas la peine de se rencontrer pour ça. Non. Il fallait se rencontrer pour ça. Tu voulais les codes de piratage de DedSec? T'as fait ça pour moi. Tu devrais être plus sympa avec moi. Parce que je peux changer ta vie entière. Ouais. T'es pas la première à me faire ce genre de promesses. Mm-mm. Ils font tout leur sale boulot avec ce truc. Et ils savent pas que j'y ai accès. Tu l'as volé. C'est très puissant, tu sais. Alors fais attention. Si tu fais le con, des gens peuvent être blessés. Au pire. Ouais. Je crois que tu me fais pas confiance. Donne-moi une raison de te faire confiance. Ok. Le gars du texto, comment on le retrouve? On bosse ensemble. Toi, tu te mets sur ce que j'ai envoyé. Et moi, je repère son signal. T'es pas vraiment comme j'imaginais. Toi, par contre, t'es sans surprise, Aiden. Salut. Je parle à Bad Boy, là, ou à Clara? Ouais, on va simplifier. Voilà. Bon. Ça va pas être simple de remonter jusqu'à ton type. Il est malin. Il a réacheminé son adresse via une tour de bureau du CityOS. Service client, employé, cadre, ce genre de choses. Une tour de bureau. Faut qu'on arrive à accéder au système. Tu me fais entrer, et je te le retrouve. Je vais passer par la zone la plus vulnérable du bâtiment, là où ils reçoivent les livraisons. On dirait que c'est sous terre, dans le tunnel. Je vais essayer par là. Au fait, désolé pour ma réaction de tout à l'heure. Oh, t'essayais juste de m'intimider. Ta façon d'empiéter sur mon espace personnel, les regards, le contact physique. T'es un vrai cas d'école, toi. Tu cherchais des failles. T'en as trouvé? Ça, c'est mon secret.
Ça déconne, c'est tout. C'est pas possible. Ces trucs sont censés avoir je sais pas combien de sécurité. Oh. Ouais. Commencez à chercher, il est dans le coin. Je suis dans l'immeuble. Tu vois quelque chose? D'après le plan, il devrait y avoir une cour intérieure à ciel ouvert. Et d'autres gardes, je parie. Les hacks que je t'ai envoyés sur ton téléphone. Il n'y a pas mieux pour faire diversion. Tu peux t'en servir pour perturber l'équipement des gardes. Quel genre d'équipement? N'importe lequel. Téléphone, oreillette, explosif. Aujourd'hui, tout fonctionne à base d'électronique. Ok, j'essaierai ça. Tu pourrais scanner les bureaux? J'ai besoin d'un laptop non sécurisé. J'en tiens un. Bradley Coughlin. Oh, oh non. C'est le directeur de la sécurité. Comme par hasard. Une fois le piratage lancé, tâche de faire vite. Tu traces l'appel et tu sors. La sécurité va vite détecter l'intrusion. T'inquiète pas pour moi. T'es où t'es là? Thank you.
mental. Bon, ok, peut-être juste la science normale, mais qui sait ce sur quoi je vais bosser, hein? Il me reste encore une montagne d'accords de confidentialité à signer, mais je te raconterai tout quand j'aurai fini. Yes, 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 yes. Puisque je vous dis que c'est pas une simple pub, j'ai un globe oculaire gigantesque là, qui me bloque toute la vue. Oh merde, quelqu'un a piraté mon PC. Oh putain, verrouiller les issues, faut le retrouver. C'est bon, t'es connecté. T'arrives à tracer l'appel? Attends, je lance la recherche. Oh merde, les flics sont en route. Ils utilisent un scan qui va être super difficile à éviter. Faut que tu te tires de là. C'est bon, t'es connecté. T'arrives à tracer l'appel? Attends, je lance la recherche. Oh, merde! Les flics sont en route. Ils utilisent un scan qui va être super difficile à éviter. Faut que tu te tires de là. Me recherche. Je vais pas pouvoir m'échapper. DedSec aurait pas un truc pour brouiller l'escade? Attends. Oui, je crois que oui. Je l'ai. Je t'envoie ça tout de suite.
centrale, le scan CityOS a pas marché, on l'a perdu. Quoi de neuf, t'as localisé l'appel? Marre de jouer au chat et à la souris. Je l'ai trouvé, ta souris. L'appel a été passé depuis un appartement du Loop. Pas trop tôt. Sois prudent, Hayden. La façon dont il a réacheminé le signal, c'est comme s'il voulait que tu le retrouves. Alors on va surtout pas le décevoir.